Hey, salut YouTube. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Supermarket Simulator et petite nouveauté, on est sur la nouvelle mise à jour qui permet d'augmenter en fait le nombre de clients qui passent par rapport à notre niveau magasin. Du coup, ce qu'on peut nous, on peut commencer à faire. Alors attendez, je vais déjà prendre tout ce qui me manque en magasin et après normalement on passera directement sur notre nouvelle licence. Alors, on va prendre un riz basmati, l'huile, je vais prendre les deux huiles. Faut toujours faire un stock. Les huiles en général, ça a tendance à bien partir. La javel, ouais, javel et le clean dish. Ça, je crois que c'est tout à la fin. Javel, le clean dish, parce que le clean dish qui est quand même assez cher. Ça, c'est le savon à main. Savon à main, pour l'instant, ouais, bah, je pourrais en mettre un peu en rayon, mais il m'en restera toujours un peu. Ok. Hop, qu'elle est là dans le petit trou. Ok. Bah après le papier toilette, après c'est un truc qui part beaucoup aussi. Alors j'en ai plus. Hein. Papier toilette et shampoing. Le problème c'est que quand c'est loin derrière comme ça, c'est un peu plus chiant pour les. Mais putain, je vais quand même en prendre deux. Je vais en prendre un. Bah après il n'y a plus rien là de ce côté. Au Capix, ça a l'air d'aller. Le sucre. Le café, j'en ai un peu, effectivement. Hop. Il m'en manquera un peu, mais je pense que ça devrait aller, je pense, pour cette journée-là. Ouais, pain de mie, sucre. Ça va plutôt être en haut. Le pain de mie. Hop, le pain de mie, ok. Ok, ça va être la nouvelle étagère pour les nouveautés d'aujourd'hui. La farine. Ouh là, le sel, par contre, j'ai pas grand-chose. On va. Attends, la farine bleue, je vais en prendre une. Le sel qui est ici. Sel. Le thé que j'ai pas. Le thé que j'ai plus, plutôt. Le thé. Pâte à tartiner, c'est du pâte à tartiner aussi en dessous, ouais. Bah, pâte à tartiner, on peut peut-être en prendre deux, ça part vite. Pâte à tartiner. Les lustres crus, je vais en prendre. Merde, depuis tout à l'heure en plus je rajoute. Non, je me suis arrêté au pain de mie! Non, le fait d'être limité à 10, ça me saoule ça. Pain de mie, donc c'était. Attendez, on avait dit du coup sel. On avait dit ça, on avait dit sel. On avait dit pâte à tartiner. Par deux. Le thé. Et le thé, bien évidemment. Les pâtes. Alors, les deux types de pâtes, les pas chères et les. Les deux là, les discounts, je crois qu'un seul ça devrait suffire normalement pour la journée. Le lait, il y a quoi normalement à côté là? Ah, papier, un doublon de papier toilette. Pff, en vrai, ça me dérange pas de remettre du papier toilette là, parce que ça part assez vite. Hop, je vais reprendre du lait. Du lait, pff, ouais, même deux, ça part vite. Le coca, c'est bon, le lait, c'est bon, l'eau, ça devrait aller. Attendez, faut juste on va voir ce que j'ai. Ouais. Ok. Et celui-là, ça va là. Après, j'ai pas beaucoup de place en fait pour mes jus de fruits. C'est un peu le problème pour l'instant. Ouais, que je rachète d'autres frigos. Le fromage, ça a l'air d'aller. Ouais, le fromage, ça a l'air d'aller. Les œufs. Les œufs, c'est limite. Je vais reprendre des œufs. Attendez, je vais reprendre les deux jus. Le soda, les œufs. Ok. Ok, là on est bon, on est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est acheter directement la nouvelle licence en même temps. Bah, je pense qu'on peut partir sur cette licence de gâteau là. On va acheter des gâteaux. Qui veut des gâteaux? Gâteau. Alors, on va prendre. Ah putain, par contre, il y a des yaourts. Ça, c'était pas prévu au programme, par contre. Hop. Merde! Je suis encore limité à 10. Barre de chocolat. Ah, ça, c'est juste ce dernier qui a pas été pris. Tac, et est-ce que j'ai assez pour acheter un frigo? C'est combien un frigo? 200 balles. Ah, je peux en acheter un, ça me fait 223. Et la yaourt, c'est combien? Ah, je suis limite, mon pote! Ah non, 250! Ah merde! Oh merde! Bah les gars, je les prendrai plus tard. Il me reste 23 balles.
Ok. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, attends. Alors. Attendez, j'y galère un peu. Hop. Voilà, après là, je suis sur des doubles frigos, donc c'est un peu chiant. Ah, c'est pas grave, je pense. Enfin, je pense que je vais déplacer les jus de fruits après et je vais les mettre de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on commence à voir le magasin maintenant ou c'est chaud? Vas-y, on tente, hein. Écoute. Écoute. Sinon, on perd du temps à chaque fois à remplir et hop. Les toilettes. En fait, si je speed un peu là, ça devrait aller. Hop. Toilettes. Hop, 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 hop. Voilà. Bon. J'en ai acheté combien de PQ là? Incroyable. Bah, après, ça part tellement vite parce que les gens ils achètent par double ou par trois alors. Par triple. On va pas abuser là quand même. On va en avoir un de trop, je crois. Ah non, ah si. Un de trop, c'est ce que je disais. Normalement, j'en ai pas repris après des papiers, du papier toilette. Ok. Tant que j'ai pas trop de surstock, ça me va. Parce que forcément, surstock ça se paye. Hop. Après, c'est de l'argent qui dort, comme on dit. J'arrive, madame, vous inquiétez pas. J'arrive dans 2 heures. Ah, lui, j'en ai pris. Putain, en fait, j'aurais pas dû reprendre. J'avais déjà un carton là. Pas prévu au programme, ça. Ok. Hop. Pain de mie. Bon, par contre, mes nouveautés, je sais pas où elles sont là. Bien cachées dans mes cartons là. Peut-être là, non? Non, c'est mes œufs. Ok. Alors, je sais pas si quand ils disent beaucoup de. Enfin, beaucoup. Plus de clients par rapport à notre niveau. Ce qu'ils appellent beaucoup. Pour le coup. J'ai changé le prix des gâteaux. On va partir sur du 4, 4,20. Ok. Un peu de caisse. Ouais, bah d'accord. Tout ça pour ça. 3,30. Ok. Après, ce que tu vois, ce qui manque quand même, c'est quand même les fruits et légumes. Les jours où on pourra passer sur des fruits et légumes, ça pourrait être sympa. Hop. Normalement, c'est prévu dans un. Dans une future mise à jour. Hop. 30 centimes. Ah, bah oui, explique tout ce qu'il y a. Eh, vous avez ton manque de sucre, ça se voit. Vous êtes aigri là. Je reconnais. Ça, c'est les signes d'un manque de sucre. Hop. Alors, est-ce que je mettrais pas directement tout le jus d'orange ici? Je dégage les autres de là-bas. Ok. J'arrive, monsieur. Vous inquiétez pas. Ok. Là, c'est tout pris. J'ai pas une arme de stock avec. Hop. Ouh, le mec il me prend du clean dish, ça c'est pas mal ça. Hop, par carte, pardon. Je crois que c'était. Voilà, hop, voilà. Ah, toujours pas de bonbons, désolé. Enfin, si, c'est dans les cartons dehors en plein soleil. Tout va bien. Hop, des gâteaux aussi, il y a des gâteaux, ouais. Il y a des bonnes mamans, je crois. Pas des bonnes mamans ça? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas ça. Hop. Ok. Ouh, 114 euros. Ça c'est bon ça, ça c'est bon pour les finances. Ça. Hop. 2, 5, 6, 7. Ok, vous allez attendre un peu. Vous allez attendre un petit peu. Ok. Ah, j'en ai plus dans mon carton. Ok, je crois qu'il m'en reste en fait. En fait, j'essaie de chercher une nouveauté mais je les trouve pas. Après, ouais, là on pourrait peut-être commencer à embaucher. C'est vrai que je fais beaucoup de trucs en même temps. Après, en vrai, je ferai la mise en rayon avant d'ouvrir, tu vois. J'aurais pas besoin, mais bon. C'est vrai que. Et je crois que la mise à jour, elle comporte ça aussi. Je crois que l'employé se déplace de caisse en caisse en cas de besoin. Et des fois, t'as des gens qui attendaient une seule caisse au lieu d'aller là où il y a le bot, par exemple. Quand t'as deux caisses, donc. Forcément, des fois, ça peut être problématique. Je pense que là on joue plutôt bien pour l'instant, c'est juste que bon j'ai pas tout en rayon, mais en vrai je pense que pour l'instant on n'a pas besoin d'employés. Hop, c'est parce que là j'ai mis des nouveautés qui se plaignent un peu et que les nouveautés j'ai pas réussi à les trouver mais... Hop. Mais en vrai tu vois, regarde, je trouve qu'on se débrouille bien. Hein. Hop.
de sprite. Nickel. C'était vite, donc ça tombe bien. Tu l'es. Ouais, toujours pas de nouveauté. Juste ces gâteaux que personne n'a acheté pour l'instant. Le clean dish. Ça, ça me rapporte tellement d'oseille celui-là. 20 balles quand même. Bon, j'en ai plus en stack. Ah là, barre de chocolat. Barre de chocolat. Là, je vais le mettre en bas pour l'instant. Ah, touchez pas la barre de chocolat. Oh le bâtard. Non, il a pris après discount. Donc il en prend plusieurs. Putain, le bâtard, il en a pris trois après discount. Enfoiré, va. Ah l'enfoiré. C'est moi le mec qui s'est barré sans payer là. On est bien d'accord. On a vu ce que j'ai vu. Non, regarde, il a tout pris après discount. Enfoiré, va. Tu mériterais la peine maximale. Vous avez vu comment il s'est jeté dessus? J'ai à peine posé le carton que le mec il... Ouais. Hop. Faudra que je mette la lumière. Hop, 67-30. Hop. Vous allez attendre un peu. Merci. Jus de pomme. Jus de pomme ici. Hop. Je vais le laisser en haut. Je le sais comme ça. Enfin, je vais encaisser. Ah, mes gâteaux commencent un peu à partir. Ouais, si, il y a un peu d'huile d'olive, ils sont pareils dans le carton. Faut voir les palettes, messieurs. Dame, pardon, excusez-moi. Hop. Quel. Ah, la journée va être finie, que j'ai même pas fini de mettre en rayon. Incroyable. Hop. F40. Hop. Ouh. Vous avez vu, niveau Z, comment on est bien monté, là, quand même. On a déjà 1000 balles, hein. Pas mal, là. C'est pas mal, pâte à tartiner. Pâte à tartiner, il faudrait qu'on le bouge et qu'on le mette après de l'autre côté avec les... Avec les gâteaux. Je pense. Hop. Non. Pas le bon celui-là. Normalement j'ai plein de nouveautés mais je sais pas où ils sont. Quelqu'un qui m'a volé... Ah bah voilà, c'est le gâteau. On va voir que l'autre va prendre un peu de discount. 2-10. Oh, c'est pas si cher. Hop là. Eh non. J'ai eu le temps. J'ai eu le temps. Hop. Nickel. Ah bien les petits gâteaux là. 3 paquets par 3 paquets. Ça part tout seul. 51-10. Hop. 30 centimes. Ok. On va même finir de mettre en rayon en attendant. Hop. Même le riz basmati, j'ai l'impression parce que je crois que j'en ai rempli tout à l'heure. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ah non, pas du tout. Ouais, bah. Il me semble que c'est quand même bien parti. Hein. Je pense. Il m'a mis en rayon. Ah, nouveau paquet de céréales. Okay. D'ailleurs, je ne me pas savoir qu'il y a Pin Squeak. Chocapic. Chocapic, je crois. Hop. Et pareil, faut qu'on continue d'agrandir en fait pour pouvoir. C'était où? C'était là le thé? Forcément, en fait, j'ai pas assez de facing. Et oh, des bonbons. Je vais les mettre là. Ok. Donc, je vais mettre à 4 vents. Hop. Un peu au-dessus du prix du marché, mais pour 2 centimes, ça passe. Hop. Non mais j'ai rempli la pâte à tartiner, il y a quelqu'un qui m'a tout pris quand même. Ok, on va encaisser les derniers clients. Ok, 51-20. Hop. Demain je pense qu'on commencera à payer... en fait quand les gens ils trouvent pas ce qu'ils veulent, ça me fait baisser en note, okay. Ok. Bah là normalement j'ai un peu de tout maintenant en rayon là. Ah oui, pas les yaourts, effectivement. Effectivement. Alors 49 et 30 centimes. Ok. 24-35. Très bien. Ok. Et ben enfin une journée terminée. On a eu combien de clients aujourd'hui? Je crois que d'habitude on tourne autour d'une trentaine. Ouais, 38. On en a eu un peu plus que d'habitude. Bon, c'est une nouvelle journée. Alors pastille, lave-vaisselle, bonbon, lait, jus d'orange. Ok. Ouh. Ça c'est déjà à 5 balles.
Après, il y avait les pastilles. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent pastilles, c'est ça? Ouais, 21,50. Pratiquement 1 euro. 21,50. Après, il y avait le lait. Alors, c'est lequel de là? C'était celui-là ou l'autre? Non, ça va être lui. Ah, lui, par contre, qui baisse un peu. Hop, de 60. Et il n'y avait pas le jus d'orange, je crois. J'ai un doute sur le dernier. 2,70. On en a fait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, il y en avait 4. Ok, je vais remplir avec le carton qui me reste. Bah, il me reste pas grand chose d'ailleurs. Hop, le savon pour les mains. Bah, c'est pas une partie, je crois qu'on en a vendu peut-être un ou deux. Mais 2, bah 2. Papier toilette, tout, il est bien parti aussi. Mais je crois qu'ils ont pris plus au niveau des caisses que. Ah non, même pas. Hein. Ils vont pas acheter tant que ça. Hop. Alors les discounts, ça par contre, j'en ai un stack. Les œufs, c'est bon, on est plutôt propre. Hop. Ça, c'était quoi? C'était jus de pomme. Ouais, bah c'était jus de pomme, il n'y en a pas un qui est parti. Et ça, le sprite. Le sprite, j'en ai vendu un. On est plutôt bien. Ok. Donc. On va faire. C'est que. Attends, je vais acheter mes Nesquik. Deux. Et que j'en ai plus. Il aura fallu que je redispositionne ça un peu mieux en fait. Mais. Il faudrait que je fasse, c'est agrandir. Mais ce que je peux faire, c'est acheter tout ce que j'ai besoin. Et si on a assez, je peux agrandir un coin pour essayer de faire un truc un peu plus sympa. Du coup, j'ai pris mes Nesquik, ouais. Les serrés et les yaourts, je vais en prendre deux. Ça, c'est bon. Ouais, le fromage. Le fromage qui se situe là, je vais en prendre deux, je pense. L'eau, par contre, je vais quand même prendre de l'eau. Je vais en prendre deux aussi. Le lait, je vais en prendre un. Le lait là-bas, je vais en prendre en pack. Je vais en prendre un. Je crois qu'il est plus bas. Ouais, il est là. Papier de toilette, je vais peut-être en reprendre qu'un seul. Un seul, ça devrait être suffisant. Farine de luxe. Un seul. Ta tartine, du coup, je vais reprendre un. Ok, on s'est arrêté. Putain, on s'est arrêté au lait. Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir. Ouais, on avait dit farine. Farine, pâte à tartiner. Ça va, c'est juste à côté. Le thé, c'est bon. À là-bas, pour l'instant. Tu sais quoi, je vais reprendre le gâteau. Je vais reprendre un comme ça et un comme ça. Pain de mie, café. Surtout café. Café, faut que j'en prenne deux. Café, 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 café. Café. Pain de mie, je vais en prendre qu'un seul. Chocapic, j'ai repris. Après, il manque pas grand chose. Un clean dish et de l'huile. Ah oui, mais attends, c'est l'huile verte. L'huile verte parce que l'autre j'en ai trop. Je vais même en prendre deux. Un clean dish. Un clean dish qui est ici. Et normalement c'est tout. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors une fois payé, hop. J'ai quand même payé mes factures. Ouais, j'aurai pas assez de toute façon. On va passer parce que ça doit être dans les mi-balles, je crois, la méloi, enfin l'agrandissement. Agrandir. Putain, 2000 balles. Ah, je les aurais jamais. Je les aurais jamais, les gars. On aura pas pour partir sur une licence. Ah, c'est beaucoup de. C'est beaucoup à ce que je vois, peut-être au frigo. Mozzarella, parmesan, je pense c'est au frigo. Miel, bon, ça serait le truc. Thon. Ouais, j'en ai deux qui vont dans des frigos. Ok. Ah, tu sais quoi, en attendant, je peux ouvrir. Hop, faut juste que je trouve. Bah, je trouverai pas. Au lieu de perdre du temps, bêtement, à chercher un carton, je vais mettre en rayon. Tant qu'ils arrivent, on est plutôt bon. Hop. Une dish. Ce clean dish en augmenté, donc. Ok. Hop. Ah, l'autre. Merde, le carton est trop gros pour rentrer là. Il aurait fallu que je trouve en fait mes yaourts. Pour pouvoir les mettre au frais. Et les attendre en plein soleil. Normal. Ah, peut-être. Non. Non. Je pense que ça doit être mis dans des petits cartons comme ça, mais. Pas sûr. Je pense pas que d'ailleurs ça prenne beaucoup de place. Hop. Mais n'empêche, hier je crois que j'avais beaucoup d'huile. Hein.
Ils ont acheté pas mal hier, je pense. Hein. Hop, je pense que je vais avoir un petit stock de laine. Hein. Oh, même pas. Oh, même pas, je pense. Non, ouais, bah pile poil, il m'en manque un, mais bon. Ah, mes yurt. Yurt, je vais les caler ici. Non. Il va vouloir m'acheter mes trucs là. Merde. Qu'est-ce que... Tu peux me les acheter, mec. J'aurais pu en prendre deux, je pense. 30, c'est pas mal. Hein. Bon, après, qui achète en vrai ces yaourts 1 à 1? Je ne sais pas. Généralement, tu les achètes. Quoi? J'ai fixé le prix. Bah, t'as un prix, mec. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais voir comment il les a achetés, les yaourts, parce que je crois que c'est quand il était dans le tiroir à yaourts. Pardon, j'ai plus de café, effectivement. Combien il passe le yaourt? Yaourt, 2€. Bah non, pourtant il passe bien à 2€. 1, 2, 3, 20. Ok, bah je ne sais pas. Les caisses sont pleines. Ah, rien à voir. 10, 8. Ça fait longtemps qu'il y a un mec qui m'avait pas demandé de lui rembourser son salaire. Hein. Hop. 21, 10. Ah, je suis désolé, je vais les... J'ai pas le temps, excusez-moi, je me suis... J'ai perdu beaucoup trop de temps à mettre mon café en... Pas mon café, mais mon... Mes meilleurs en rayon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, là. 40,90. Ouais, putain, au final, je perds quand même de l'argent parce qu'il y a des trucs que j'ai pas, quoi. Enfin, que j'ai pas. J'ai pas mis en rayon, quoi. 5, 6, 7, 5, 6, on est bon. Ils vont tous du café. Et qu'est-ce que j'ai vendu sans mettre de prix, gros? Oh, c'est que là, je peux pas m'en occuper en fait. 35, 36, 37, 5, 6, 7. Est-ce que c'est pas un truc que j'ai changé de prix tout à l'heure sans le faire exprès? Au lieu de valider le changement de prix, j'ai fait de la merde. J'essaie de voir en fait quand je fais la caisse, il n'y a pas un truc. Par exemple, si je rends des monnaies impaires, mais tout est pair pour l'instant, donc 5, 6, 7, 8, 9. Ah, les céréales, je crois, non? Bah non, les céréales, je les ai mis tout à l'heure. Mais ouais, c'est les céréales, gros. Ah, il a acheté un prix discount. Bon, tu vas attendre, toi. Bon, je m'ai saoulé. Putain, je sais pas comment ça se fait que les céréales, je les ai pas mis. Pourtant, je fais à chaque fois au fur et à mesure. Comment j'ai fait pour oublier ça? Hop. Ah, oh, putain, les gâteaux d'à côté, ils sont partis, mais normal. Normalement, je dois en avoir en stock, là. Bah, attends, le café, de toute façon, il m'en faut. Les cafés, je trouve, on en met pas assez en rayon par rapport à l'amont de clients. Yaourt. Hop. Ça c'est bien parce que t'en mets 30 en rayon. Ça c'est super. Hop. Je vais faire un peu de la caisse. Hop. Ah, donne tes biftons là. Ah, parce que tu vois, les yaourts ils les prennent un à un. C'est bizarre ça. Ah, désolé, les gâteaux sont plus disponibles pour le moment. Hop. 59 balles et 70 centimes, très bien. Mais la vitesse où on fait de l'oseille là, ça va. Hein. Après, est-ce que j'aurais pas un peu en off pour essayer d'avoir un peu plus d'oseille pour pouvoir agrandir le magasin? Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Hop. Au moins, on aura un truc un peu plus grand, un peu plus sympa. C'est vrai que pour avoir 2000 balles, c'est pas donné, mon patin. Par contre, c'est le Chocapic, j'avais pris qu'un carton, j'en ai pas pris deux, c'est un peu dommage. Hop. Et on est bon. Hop. Ah non, Chocapic, j'ai pris les deux. Ah bah nickel. Hop, c'est bon. Après, faudra faire un étage avec chaque. Bah, du coup, vu qu'on a deux paquets de céréales sur chacune, bah, faut que je m'occupe des clients là. Hop. Je suis là. Ah, j'aurais dû allumer la lumière. Bon, c'est pas grave.
5, 6, 40 centimes. Hop là, attendez, j'allume juste la loupiote. Hop là. 70 centimes, 5, 6, 7. Comment ça, y'a pas de céréales? Bah, bien sûr que si, qu'il y a des céréales, mec. Je vais les remplir. C'est rempli de céréales dans le rayon. Vous êtes malade. 50 centimes, ok. Hop, voilà. On enchaîne. Alors, 2,90. Voilà. Non, on enchaîne. Bien là. Je vois qu'ils prennent pour pas mal d'oseille, donc c'est pas mal. 5, 6, 7, très bien. Hop, 28 et 10 centimes. Oula. Lui, c'est un fan de céréales. Il a pris que ça. Ouais, ouais. Accro aux céréales, le type. C'est sa drogue. Matin, midi, soir, c'est son seul repas, le mec. 52,50. Hop. Y'a plus de farine. Oh. Ah oui, la farine de luxe, oui, j'en avais plus trop, mais j'en ai en carton, comme d'hab. Comme d'hab. 3,75. Parce que j'ai peur que si je prenne un employé, en fait, je fasse sa mise en rayon, bah, assez vite. Ouais, alors là, par contre, j'ai un peu merdé sur l'ordre d'une monnaie, là. Et qu'en fait, bah, après, je vais pas chier, tu vois. Bon, après, si je mets deux caisses, mais je sais pas. J'ai pas la place d'en mettre deux en fait pour l'instant, c'est ça le problème. Hop. Bah après peut-être en jouant en off, je pourrais faire la mise en rayon avant de... avant d'ouvrir le magasin, tu vois. Et là c'est pour éviter de... perdre du temps aussi. Forcément si je fais la mise en rayon et après que la caisse... Des fois vu que les clients prennent un peu de temps à faire le tour du petit magasin... bah, on peut vite se faire chier quoi, en attendant la caisse. Ok, une mise en rayon, hop, fromage. Ah tu vois, le fromage en fin de compte c'est bien parti, hein. Je pourrais en reprendre un demain. Hop, ah bah non même pas parce que j'ai déjà tout. Hop. Ok, j'arrive. Hop, ah bah tu vois il était là le... Eh t'es là la farine, c'est le dernier carton que je mets, super. Super super, hop. On a gagné pas mal d'oseille là. Cool. On a 1006. Donc plutôt bien. Hop. Après, forcément, on aurait pu gagner un peu plus avec tous les trucs qu'on n'a pas, que les clients n'ont pas trouvé. Ok. Céréales, mais qu'est-ce. Ah oui, les céréales qui sont là. Ok, effectivement. Après, je peux peut-être mettre un autre rayon là et diviser les deux céréales aussi. C'est pas impossible. Voilà, on a fait un plus-value de 210 000. Ah, tu vois, 40 clients. Sucre en poudre, café. Sucre en poudre. Et c'est là. Je vais mettre à 4,50. Sucre en poudre, café. Oh, putain, il gagne. 10. Ok. Ok. Et normalement, c'était les pastilles. Donc, ça va être ceux-là. Qu'on rebaissait de prix, du coup. Ils ont juste été augmentés pour une seule journée. Ok. Hop. Ok. Moi, ça semble qu'il me reste que 600 balles là. Qui j'ai dépensé pour 1000 balles. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? J'avais pas de facture en courant. J'avais tout payé. Ouais, ok. J'ai perdu 600 balles, je sais pas comment. Ouais, alors je vais peut-être pas avoir assez pour tout acheter là, les gars. On me fout dans la merde là. On est d'accord. On est d'accord. Les céréales, vas-y, je vais en prendre deux. Je suis en train de réfléchir d'où vient ma part d'argent là. Je me suis fait cambrioler pendant la nuit ou quoi? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bah, qui me dit, j'ai pas besoin d'en racheter en fait. Vas-y, je suis à barre sur le drip, pas le peu d'oseille qui me reste là. En fait, je comprends pas comment ça se fait que j'ai perdu de l'oseille là. De 1600 balles, il manque 1000 balles en fait. C'est ce que je veux dire ou pas? Je comprends pas là. Et toutes mes factures étaient payées hein, donc. Enfin, c'est tous les 4 jours qu'ils payent. J'avais peut-être pas payé celle d'hier, mais si, bah si, en plus, il me semble que je les avais payées. Ah les gars, je sais pas. Ah, elle m'a posé pas de questions. Je sais pas, on s'est fait douiller, on s'est fait cambrioler pendant la nuit. Impossible.
Non, je pense pas, même pas qu'il y ait du volant encore dans le jeu. Mais en tout cas, on m'a volé. Ça, c'est tout ce que je sais là. Bon, attendez, on se remet dans le jeu. Je vais prendre du riz basmati. Mais faut que je fasse gaffe parce que du coup, j'ai peut-être pas assez d'oseille pour tout acheter en fait. Riz basmati, je vais peut-être en prendre deux. L'huile, ça devrait aller. La javel, je vais peut-être la laisser comme ça pour l'instant. Quoi qu'il me manque. Ouais, le petit pchit, le lave-main. Pourquoi je vais à la poubelle moi? Tout va bien. Le pipi, je vais en prendre un. Le lavement, je vais en prendre un. Ok. PQ, c'est bon. Il me manque les barres chocolatées. Les chocolatées. Normalement, les céréales, je les avais prises. Hein. Le gâteau, je vais peut-être en pouvoir prendre Ah, des pizza mist. Ah, mais attends. Ah, mais dis pas que j'ai acheté une. En fait, j'ai acheté une licence sans le faire exprès. Ça, je les avais pas avant. Mais que s'est-il passé? À quel moment j'ai appuyé sur le bouton valider en fait? Qu'est-ce qui se passe? Soit le jeu il est manipulé par un autre, soit je sais pas là. Non mais là ça va me foutre dans la merde royale pour aujourd'hui là. Si c'est ce que je cherche, pardon. En fait, ça. Ce qui vient de se passer là, je sais même pas, je sais même pas gros. Ça me met le cerveau à l'envers là. Et même plus ce que je suis en train de faire. À 200 balles, c'est bon. Et du coup, en plus, pour les trucs que j'ai acheté, faut que j'achète un congèle, frère. J'ai même pas assez. Farine, c'est bon. Pâte, je vais lui laisser comme ça. Ouais, je vais peut-être prendre quand même une pâte. Allez. Je sais pas pour ce que ça coûte. Pâte. Le reste, si, du Sprite. Parce que le problème que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai pas assez pour mettre quoi que ce soit en fait en truc. Parce que attends, c'est quoi? Ah, bah en plus, j'ai d'autres céréales. Ok, c'est ça, je crois que ça va au congèle. Ça aussi, sac pomme de terre, ça va en. Le problème, c'est que j'ai pas la place. Ah, si, j'ai un peu de place. Au pire, je peux les mettre là, les pommes de terre. Allez, vas-y, 40$. Fourniture, est-ce que je peux acheter un. 400 balles à congèle! Waouh les gars, abusé! Ouais, laisse tomber, il y aura jamais de congèle. Le beurre, j'ai pas de place en frigo. Et ces céréales-là, au pire, je peux prendre ces céréales-là aussi si tu veux. Si tu veux. Ouais, tu vois, congélateur, congélateur, étagère. Réfrigérateur, ouais, mais j'ai pas de place dans mon frigo en fait. C'est pareil. Le problème reste le même. Et combien ça coûte un frigo? Là, je peux prendre le petit frigo en attendant. 273. Et je peux partir sans ça, vas-y. Attends. Là, je pars sans ça, je peux en plus rajouter le fromage, le beurre. Il y a 24 dedans. Ok, vas-y. Acheter. Contre, je crois que c'est la pire erreur que je fais là, de mettre des frigos comme ça là. Attends. Du coup, en fait. Je pose ça en attendant, les gars. Hein. Mais j'ai un carton pour mon jus de pomme au moins. Non, parce que. Qu'est-ce que j'ai dedans là? Je sais pas. Je crois qu'il y a rien dedans en fait. Et je crois que j'ai jeté un carton vide. Il y a de fortes chances. Ah, en attendant, je vais le mettre là. De toute façon, ça, je voulais le mettre en frigo. Mais après, c'est con de mettre en frigo de 2. Alors que je peux le mettre en frigo de 1 en fait, en TG. Attendez, je vais juste essayer de prendre les nouveautés. Pas okay, toi. À toi. Normalement, on a des pommes de terre. Là. On a des pommes de terre. Ok, super. Non, ça rentre pas plus. Ce que je veux faire, c'est que je vais bien remettre dans le rayon toilette, là. Hop. Voilà. Là, je vais remettre le prix déjà des pommes de terre. Les pommes de terre qui sont à 5,30. Mais pour revenir à cette histoire, je sais toujours pas à quel moment j'ai pris le. J'ai pris le truc, hein. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça nous met un peu dans la merde, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, ça va se vendre quand même. Bah, du coup, je peux quand même la mise en rayon maintenant parce que. Les gars, ça m'a tellement chamboulé, c'est bon. Ça m'a. Ah, il m'en faut peu, hein, mais. Là, en fait, le fait que j'ai pas compris ce qui s'est passé.
Attendez, parce qu'il me faut juste. Attendez, ouais, il me faut juste le beurre. Faut juste que j'arrive à trouver le beurre. Le beurre, ça doit être dans un petit carton, je pense. Ok. C'est bien parce qu'on a trois types de céréales. Celui-là, non? Non, ça, c'est le savon. Celui-là. Comme ça, je vous dirai. Comme ça, j'ai les nouveautés, j'ai les prix qui sont faits. Hop. J'imagine, t'en mets 24 dans le même rayon. Putain, mais ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Je vais juste mettre le tarot. Et on va pouvoir ouvrir. Vas-y, je vais mettre un 1,60. Alors, 2,60, par contre. Ok, et c'est bon, on peut ouvrir le magasin. Hop, pour notre dernière journée de l'épisode. En espérant que j'achète pas un nouveau truc par erreur. Parce que sinon, là, je suis vraiment dans la merde, par contre. Hop, le lave-main. Ouais, mais le lave-main, je voulais le mettre là. Attends. En fait, il me faut le produit à vitre. Le produit à vitre qui est là. Ok. En fait, je vais le redescendre dedans. Hop là. Ok. Hop. Et lui, je vais le mettre là. Voilà. On va essayer de leur donner un peu les trucs. Je suis bloqué par un carton. Et là, tout. Ils viennent dans mon magasin là. Attends, c'est ouvert. Je me suis dit, c'est bizarre, je vois pas de qui rentrer depuis tout à l'heure. Bizarre ça. C'est louche cette histoire. Hop, j'arrive, vous inquiétez pas, je suis là dans quelques secondes. Ok, je vais en avoir un en trop, mais tant mieux. Au mieux d'avoir un mini sur stock. Dans la merde, hop, voilà. Ouais, je finis juste ma mise en rayon. Hop. Et moi, c'est pas grand chose à mettre en rayon, donc on est plutôt bien. Ah oui, mais du coup, j'avais pris deux céréales parce que je m'attendais pas à ce que. Parce que j'ai tout en doublon là. Hop. Voilà. Ok. Et voilà. Là, on peut passer notre journée à la caisse maintenant. On a fait à peu près toute notre mise en rayon, donc on est bien. Malheureusement, j'ai pas. Je peux pas acheter les pizzas. Je peux pas. 40 centimes. J'ai même pas les 400 balles en fait pour acheter le réfrigérateur. Le problème c'est que j'ai même pas la place aussi en fait. 5, 6, 7, 8. Vous pouvez arrêter de payer en. Avec autant de soleil ou comment ça se passe hein? Eh ouais, y a pas de pizza. Évidemment qu'il y a pas de pizza. Je sais. Hop. Sinon les congèles, faudrait qu'on fasse un truc ici là, je pense. On va faire sympa. J'espère qu'on peut en stocker pas mal dans le congèle quoi, parce que sinon on est dans la merde. Hein. Par contre 15 congèles non plus. Hein. On a quand même 3 trucs qui vont en congèle, alors je sais pas comment ça fonctionne. 1 dollar, ok. 2,50. Je pense... ouais, de toute façon on fera ça dans le prochain épisode pour le congèle. 2, 4, 5, 6. Juste histoire de. Là, d'avoir de l'oseille et pouvoir acheter toujours de la marchandise en fait. Parce que si on achète tous les congèles et qu'en fin de compte on est pas assez d'oseille pour acheter marchandises reste manquantes, c'est un peu. Et j'ai pas envie de faire de prêt et de prêt, tu vois. Parce que sinon. 5, 6, 7, 8. Forcément, en fait, tu rembourses toujours beaucoup plus que ce que tu vois. Vas-y, je vais reprendre. De la farine. Pas de la farine, attends. Attendez madame, je suis en train de chercher ma farine. Hop, hop. Bien vite fait s'il y a un truc qui manque en cette spi là. Ah puis l'huile fait jaune. Allez, je les ai laissés 2 secondes. Le monde qui attend déjà. Hop. Hop. Par carte. Hop. Mais non, les caisses sont pas pleines. Oh là là. 73, 70, à la vitesse où ça passe, vous inquiétez pas, qu'en 2 secondes c'est fait. Voilà, vous avez vu? Nous on enchaîne. Le temps c'est de l'argent. Ah, et vous choisissez un peu tout en céréales. Mais il a pris que 2 versions, il a pas pris la troisième saveur. 5, 6, 7, 40 centimes, hop là. Voilà.
Hop. Un peu d'huile. Ah, le rayon huile, on va le laisser comme ça. C'est juste le riz basmati qui va jarter. Il ira dans le rayon. Mais restons un peu près dans le même rayon en fait. Parce qu'on va faire un rayon, je pense, huile et on fasse pâtrie. Peut-être purée s'il y a de la purée, mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'il y ait de la purée dans le jeu. Peut-être beaucoup plus tard. Hop. Bah donc, 145 euros. Et en plus, sans rendre de monnaie. Bah donc. 4, 60 centimes. Ok. Je suis en train de regarder vite fait le beurre, parce que je vois que le beurre il part plutôt bien. Mais vu qu'on en met beaucoup en fait en rayon, bah c'est l'avantage en fait, c'est que ça, quand t'en achètes une fois, t'en achètes pas 50 fois de suite parce que t'en mets trop en rayon quoi. Ça c'est bien ça. Hop. Eh, on a beaucoup de gens qui dépensent pour 100, plus de 100 balles maintenant, ça c'est cool. Désolé, on n'a pas les pizzas aujourd'hui. Peut-être demain, qui sait. C'est parce que t'as un client qui en a pour 100 balles. L'autre d'après, directement, elle en a pour 10 balles. Et là, on est bon. Vide un peu mes stocks. Hop. Allume la lumière. Ah, vous êtes le premier client à acheter des pommes de terre, tiens. Après, j'en ai pas énorme de pommes de terre, j'en ai que 4 en rayon. 54, 65. Ça faudra pas que trop de gens m'en achètent, pommes de terre, pour l'instant. 67, 30. Pour ça en fait... pardon. Pour ça c'est après on pouvait vendre des fruits et légumes. Ça serait bien comme ça on met les pommes de terre à côté tu vois. Alors 5, 6, 7, 8 et 35 centimes, très bien. Ça va, on remplit un peu les caisses là. 67 dwarfs, c'est bon, hop. Donne ta carte. 28,60. Ok. Ça va, on enchaîne. On est plutôt bien. Hop. 5, 6, 7 et 60 centimes, très bien. J'ai plus de pommes de terre, on m'a piqué toutes mes pommes de terre, ça y est. Après le rayon pommes de terre ridicule on peut tuer aussi. Hein. J'ai un peu cédé. Hop. Pas de poulet, je sais. On a toujours pas le congélateur. J'imagine que là congélateur, je pourrais même pas en mettre. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de réfléchir. 45. Là, congélateur, limite, je peux en acheter. Je peux acheter que les 3 sans acheter de matos, quoi. Hop là, peut-être le dernier client, peut-être. Hop, qui a acheté les. Dernière pomme de terre du rayon. 10, 15, 19, 10 centimes. Ah, te voulais encore plus de pommes de terre que ce que t'as pris. Arrête. Ah, c'est un filet de combien de kilos, mais. 5, 6, 7, 8, très bien. On a encore pas mal de clients, c'est cool. Mais ça rattrape pas l'oseille qu'on avait hier, parce qu'hier on était à 1006 quand même. On est qu'à 1004. 3 et 10 centimes. Ok, et peut-être le dernier client. Hop. 20 et 20 centimes. 20. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai... Je vais le mettre en 2. Hop là. Mais normalement, c'est bon, il n'y a plus aucun client. Non, c'est bon. Hop là. 38 clients. Revenu. Non, tu vois, en plus, il fait même pas partie de là, la somme que j'ai dépensée, en fait, des 1000 balles. Je sais pas où elles sont. Hein. Javel, qu'on demande de prix. Javel. Ah, le Javel, tu vois, on en a pas racheté, pourtant, on est plutôt bien, encore. Mais vas-y, je le mets à 5 balles, gros. Ok. Et nous, les petits potes, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. On aura acheté 2 licences, dont une sans le faire exprès. Mais du coup, bon, après ça nous permet aussi de faire un peu plus d'oseille à chaque fois parce que du coup ils achètent toujours plus donc bon, un mal pour un bien, on va dire. Mais on a failli être dans la merde parce qu'on aurait pu ne pas pouvoir acheter plus de marchandises. Mais du coup, on a réussi à se débrouiller un peu. Du coup, je vais peut-être jouer en off pour essayer d'avoir un peu d'oseille
pour agrandir, on va dire, notre magasin, pour pouvoir mieux gérer nos stocks. Tu vois, plus le mettre en comme ça, mais et mieux répartir. Parce que tu vois, les céréales, j'aimerais bien tous, vu qu'on a trois stocks, un dans chaque truc. Je sais pas s'il y en a d'autres en plus après en stock. Je pourrais pas vous dire. Mais du coup, nous, on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine pour la suite de notre aventure. Allez, ciao tout le monde!